Bonjour à tous, c'est Benzito de retour dans une nouvelle vidéo avec aujourd'hui la présentation d'une petite collection. Un petit set de 27 cartes qui ont été produits uniquement voilà, sur 27 cartes. Il s'agit d'un sport un peu particulier qu'on voit pas souvent en cartes, c'est du tennis de table. Donc c'est un set, vous doutez bien, de chez X-Kiss, puisque ce genre de sport en général en France, c'est X-Kiss qui en produit. Et donc je vais pouvoir vous montrer ça, donc c'est la collection X-Kiss qui s'appelle Global Series. Voilà, donc, je vais pouvoir vous montrer les 27 cartes de cette collection. Donc, je vous montre déjà la première pour voir le design de la carte. Donc un fond toujours assez sympathique, on voit bien le joueur en face. Il a affiché donc évidemment son logo sur la carte. Le classement mondial à février 2022. Voilà. Et l'arrière de la carte, donc là on est sur un joueur français, donc c'est une série, la Global Series, qui est limitée à 100 exemplaires, donc dépêchez-vous si vous en voulez. Une petite explication à l'arrière sur le joueur ainsi que son palmarès, ça c'est très très bien, donc c'est une collection de 2022, toute récente, et je voulais vous la présenter de par son originalité, en tout cas pour le sport. Donc avec le petit français qu'on vient de voir, on a évidemment plein de joueurs étrangers, enfin de partout du monde. 82e joueur mondial, donc un brésilien. Tennis de table qu'on voit très peu à la télé, vous pouvez en trouver sur Sport en France, ceux qui ont ce genre de chaîne gratuite avec plein de sports très intéressants. Numéro 27 mondial. Alors là on ne voit pas trop par contre, avec le reflet, c'est le numéro 4 mondial. Là, on est, vous voyez, il y a de très très bons joueurs là sur ce japonais. Évidemment c'est les asiatiques qui sont les plus forts dans ce domaine. Une collection que j'aime vraiment. Vous direz, quelle collection j'aime pas, j'aime tellement de collections, c'est ça mon problème. Je prends plaisir à tout. Numéro 8 mondial, un Allemand, Timo Boll. Un Chinois, numéro 10 mondial. Un Français, classé 20e, Simon Gauzy. Peut-être que j'essaye du TTM aussi sur ces joueurs, ça pourrait être pas mal. Numéro 9, un Chinois. Numéro 12, un autre Chinois. Numéro 2 mondial, Ma Long. Le classement a peut-être évolué depuis la vidéo. On est en classement de février 2022. Mais en tout cas, ça permet. Alors, c'est le numéro 5. Alors, on voit très peu quand les cartes sont foncées. On voit pas trop ce qui est écrit du coup sur le côté. C'est dommage. La numéro 1 mondial, Fan Zhendong. On découvre les joueurs, pour la plupart d'entre vous, à mon avis, vous découvrez en même temps que moi tous ces noms de joueurs. Numéro 3 mondial, un Brésilien. Un Allemand, numéro 6. 17, un autre Allemand, numéro 14, numéro 11, alors c'est le drapeau de quoi, ça c'est pas champion d'Afrique, Nigeria, ouais, Nigeria, numéro 11 mondial, ça c'est surprenant, c'est très très bien. La Corée représentée, les Anglais également. Pour l'instant, j'ai vu deux Français dans cette collection, dans ce set. Numéro 35 mondial et numéro 21 mondial. Voilà les amis pour la petite présentation donc, de cette collection de chez X-Kiss. Donc,
Global Series collection sur donc le tennis de table, sur 27 très bons joueurs de tennis de table, dont les meilleurs mondiaux. Donc sur le classement de février 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater de toutes les vidéos. Et il y en a maintenant énormément sur la chaîne, donc profitez-en. Regardez un petit peu dans le catalogue et fouillez partout. Vous avez de quoi regarder et de vous amuser. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!